Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, nous venons d'assister à un match absolument incroyable du Paris Saint-Germain. Tu te rends compte, hein, de ce que Paris est capable de faire? T'as vu comment ils jouent avec nos sentiments? Ils nous ramènent au top du top, au niveau des étoiles. On est là, on peut pisser sur la planète. Parce que tu sais ce qu'on a fait? On est parti au Parc des Princes. Tu vois ce que je veux dire? Là où on fracasse tout le monde. Les mecs du Real Madrid y sont venus. Avec Carlo Ancelotti, Karim Benzema, Vinicius Junior, des joueurs de classe mondiale. On les a littéralement humiliés. On aurait dit des petits bambins. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était mardi. Hein? Mardi, on était au top du top. Tu te rends compte? Sur le toit du monde. La tour Eiffel était à nos pieds, on crachait dessus et tout. Et là, maintenant, samedi, voilà. Voilà, donc c'est comme ça. Donc ça y est, ils ont bu tout l'alcool qu'ils pouvaient boire. Et là, ils ont joué comme des malhonnêtes. Ça, c'est une faute professionnelle. Comment tu peux perdre comme ça? 3 buts à 1 face à Nantes. Tu vois, c'est ça. Hein? Le Paris Saint-Germain, ils sont capables de se faire fracasser par Nantes, Lorient, Metz, de se faire sortir en Coupe de France et après d'aller fracasser le Real de Madrid. Je comprends pas. C'est quoi que vous vous êtes dit là? Vous avez dit, ça y est, on a frappé le Real de Madrid. On va rentrer sur le terrain, le ballon il va rentrer tout seul dans les cages. Vous êtes malade ou quoi? Vous avez cru que le ballon il était téléguidé? Voilà, je m'appelle Neymar. Bon, je vais te dire un secret au ballon. Vas-y, va dans les cages et le ballon il va s'en aller. Tu t'es cru où? Hein? Neymar, tu auras des pénaltys toi aussi, ça y est? Tu fais comme Messi. C'est quoi ça? T'arrives plus à gérer la pression? Ça y est, t'as un documentaire Netflix, tu te sens plus? Hein? Donc là, je vais te dire un truc. Tu vas enlever ta teinture. Et que ça saute. Tu m'enlèves cette teinture. Tu te fais une petite boule à zéro. Et puis tu vas, toi aussi, là, on va te mettre dans la même case que Messi. Vous deux, vous devez habiter un petit peu dans les HLM. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Là. Vous venez, on vous paye comme du n'importe quoi. Et vous venez sur le terrain pour être approximatif. C'est quoi ça, là? Le salaire, là, il vient comment? Hein? Il vient directement, non? Vous voulez qu'il vienne comme vous, là? En mode approximatif, des fois on vous paye, des fois on vous paye pas. C'est comme ça que vous voulez? Hein? Et puis toi, la pochette de Nino, t'arrives pas à galvaniser ton équipe? Putain, mais toi, de toute façon, t'arrives à rien faire. Dans tous les cas, cette année, le Paris Saint-Germain, en termes de fond de jeu, c'est du grand n'importe quoi. Et les mecs, ils choisissent carrément leur match. Tu vois? Ils se disent, bon, là, c'est le Real, voilà, il y a tout le monde qui va nous regarder. Regardez, il y a le journaliste, là, il faut qu'on joue, il y a des caméras et tout. Bon, là, c'est Nantes, on s'en fout. Ils n'ont même pas de cinéma à côté du stade. C'est comme ça. Non, mais vous êtes des footballeurs, les gars. Hein. Tu sais que contre... Si vous...